Ok, bah salut tout le monde. Voilà, il est 9h du matin. Je suis sur mon spot à bar là. Et donc, je vais essayer de faire du bar évidemment. Et j'ai une petite nouveauté à tester en même temps. C'est la canne que je viens d'acheter, que je viens de rentrer là. C'est la canne Yakutsu Kamikaze. Alors, Yakutsu, c'est une marque qui nous vient du Pays Basque, je crois, si je ne fais pas d'erreur. Et ils font des nouvelles cannes qui sont assez réputées, enfin, y a pas mal de gens qui m'en ont dit du bien, quoi. Donc là, j'ai pris une canne un petit peu plus longue pour pêcher le bar, puisque c'est une canne qui fait 2,18 m en puissance 10-40, quand même, au cas où il y a des poissons un petit peu costauds qui se présentent. Et on va tout de suite voir un petit peu ce qu'elle donne au niveau lancé, au niveau tactile, aussi au niveau résonance. Je vais voir un petit peu ce que ça dit. Donc c'est premier lancé, hein. Le premier lancé avec la canne Yakutsu. Voyons voir ce que ça donne. Alors, c'est parti. Bon, déjà ça lance pas trop mal. Bon, le moulinet, j'ai pris un moulinet au début, j'ai pris un Siena, donc c'est un mauvais moulinet, hein. Mais avec une tresse assez fine pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Alors, on ramène. Je me suis peut-être emmêlé dans quelque chose parce que... Ou alors j'ai une touche directe, je sais pas, mais... Bon, je vais ramener parce que je crois que j'ai pris quelque chose. Alors la canne est un poil longue, le talon est un poil long pour le kayak, hein, parce que je touche un petit peu le siège là, donc faut que j'avance un petit peu ma main. On va retenter en lançant un petit peu ailleurs. La dérive se fait vers la plage là. Attention. Je suis emmêlé. Ça, faut faire attention à ça, quoi. Là aussi je suis emmêlé, ça va pas. Ok, bon, deuxième lancer, on essaie qu'on va pas prendre. Ouais, je gagne quand même en distance de lancer, hein. Je dois gagner je sais pas, un peu moins de 10 mètres je pense, mais bon, c'est juste ce qui me manquait, donc voilà, j'ai senti le fond. Elle est un poil longue, hein. Elle est un poil longue. Ça, mais je le savais, hein, quand je l'ai prise, qu'elle sera un peu plus longue. C'est pas une canne faite pour pêcher en kayak, hein, c'est plus une canne faite pour pêcher en bateau, voire même du bord quand on n'a pas lancé trop loin non plus, quoi. Mais par contre, voilà, pour le bar, il manquait de la distance. Donc c'est sûr que j'aurais préféré qu'elle soit moins longue au niveau du talon. Bon, c'est pas grave, c'est pas trop gênant pour l'instant. Enfin, on va voir ce que ça donne après quelques heures de pêche. Alors, c'est clair que les lancers sont plus simples aussi, hein. Comme le talon est quand même vachement plus long, le mouvement de balancier est plus simple. Du coup, c'est clair que j'ai pas trop à forcer pour atteindre la distance, quoi. Donc voilà, bon, bah, on se retrouve tout à l'heure pour... J'espère du poisson. À tout à l'heure. Attention, on est sur un peut-être poisson. Je sais pas ce que c'est. Ouh. Je sais pas, il bouge bizarrement. Ouais, s'il bouge. Ça frétille, ça frétille. On va pas être bien gros. Attention. C'est pas bien gros, ça, à mon avis. Là. Donc voilà, il y a un petit suivet derrière. C'est du petit poisson. Du petit poisson. Ah oui, c'est pas gros. Ah oui, franchement. Là. C'est petit. Ah. Bon. On est sur un petit bar. Hein. Vraiment pas gros. Ouais. Vraiment bien. Du menu fretin, et derrière il y avait un autre qui suivait et qui était vraiment pas gros non plus, quoi. Donc bon, toujours ça, hein. Toujours ça, mais j'espère qu'on va faire plus. Le premier, après, ouais, après bien 2 heures de pêche quand même. Donc ils sont pas hyper actifs. Voilà. Donc, petit bar, premier bar de l'année. Il est tout petit. Et il repart à l'eau. Hop là. Bon.
Ma première impression sur la canne, bah, elle se comporte plutôt bien. Le combat était plutôt pas mal. Elle absorbe bien les chocs. Après la résonance, ouais, faut voir. Faut voir. J'ai encore d'autres tests à faire pour me prononcer, quoi. Allez, on se retrouve si on fait encore du poisson. Poisson. C'est décroché ou quoi? Bonite. Wouh. J'hallucine. Bonite. Et bah bonite les gars. Hein. Ah, j'ai plus de caméra en frontale, c'est dommage. Wouah. Ça tire. Ça tire cette bête. J'hallucine. Bon bah voilà, hein. Yakutsu. Faut pas la perdre. Ah putain. Wouh. Bonitas. Et voilà les gars. Yakutsu. Eh bah c'est pas mal pour un début quoi. Pour une première sortie, c'est pas trop mal. Petite bonite. C'est bien ça. Ouais. Elle est pas vilaine, hein. Elle est pas vilaine. Bon. Ouais. Ah non, mais c'est fini pour toi là. Ok. Ah bah voilà. Putain, beau poisson quoi. Super beau poisson quoi. Bonite quoi. Alors là les gars, elle est belle celle-là. Elle est pas mal du tout quoi. Bon, il y a de la bonite. C'est cool. Je vais y retourner hein. Franchement, c'est de la bonite, il y a de la bonite. Hein. Beau poisson, magnifique poisson, vraiment un très très beau, très très joli poisson. Bon. Ah ouais. Ouais, très très beau bébé. Wouah. Oh ce combat est vite. Wouah. Putain j'aime ici. Arrête là, parce que là je suis fatigué. Oh putain. Putain c'est grand. C'est incroyable. C'est incroyable ce combat. Ah c'est bon pour moi. Alors là je n'ai pas un combat comme ça. Pas l'air vilain. Il est pas vilain.
Aujourd'hui, c'est un beau poisson, il doit faire dans les 1 kg, facile 1,5 kg. C'est vraiment superbe, quoi. Superbe le poisson. Je suis trop content. C'est la deuxième, j'en ai jamais pris des belles comme ça, quoi. C'est, là, c'est quand même bien sympa. Ça tire, c'est la folie ce que ça tire.